Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Bonjour à tous et à toutes, c'est Besti. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la frappe absolue de The Last of Us sur PS3, plus particulièrement de la fin du chapitre 3. Ok, alors j'espère que vous allez tous très très bien. Oula, oui, j'avais compris. J'avais fait le mur. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entré? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur. Ok, bon, ça c'est des dialogues que vous avez déjà vus normalement à la fin du... à la fin de l'épisode précédent. Alors normalement j'avais amélioré mes armes, mais ça a pas dû les compter. Donc bon, bah on va le refaire. Voilà. Ça on augmente. Je rappelle que les pinces coupantes que vous voyez, les petits symboles de pinces coupantes, c'est des sortes d'améliorations, de paliers, de niveaux d'amélioration qu'on devra trouver pour pouvoir améliorer nos armes encore. Alors, merde, comment? Faut juste que je me rappelle les touches. Est-ce que j'ai un peu... Hop, non, ça c'est bon. On va reprendre ça. Et on va continuer. Alors là, on arrive dans le musée. Donc, un nouvel endroit. Hop, des balles. Alors, on a toujours des choses à récupérer, évidemment. Alors, tiens, ça on peut ouvrir... dedans. Voilà, donc toujours fouiller, hein, fouiller la zone. Fouillons la zone. Ah, oh oui, mais je suis plein. Putain, je peux rien confectionner. Putain, ça me saoule. Alors, je peux encore augmenter des trucs, mais je n'ai pas assez. Tiens, là, il y a encore un casier. Enfin, un tiroir, plutôt. Voilà, et là, on est dans un musée. Alors, vous pouvez ouvrir toutes les portes, si vous le souhaitez. Alors là, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y a un vase. Et normalement, il y a une interaction avec les... Ellie, en fait, va casser le vase. Et elle le casse que si on la regarde pas, normalement. Voilà. Voilà, donc c'est, je sais pas, c'est une petite interaction, voilà, sympathique avec le décor. Là on a des trucs que je ne peux toujours pas prendre car je ne peux pas améliorer, enfin confectionner encore plus d'objets que je n'ai actuellement sur moi. Alors, on a un pendentif des lucioles à récupérer, donc en fait il faut qu'on s'accroche, voilà, à la paroi qui se trouve là et qu'on longe justement cette corniche, on va dire, enfin je sais pas trop comment vous voulez appeler ça, tout au bout pour trouver, hop, le petit pendentif des lucioles. Alors là je peux pas vous le montrer parce que je ne suis dans une position pas très confortable pour vous montrer les objets. Alors, hop, on fait demi-tour, on monte, je vais essayer de vous montrer le pendentif que je viens de récupérer. De toute façon, les pendentifs, si vous voulez, c'est toujours les mêmes. Hein. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Oh merde! C'est quoi cet endroit? C'est un ancien musée. Plus pour des centaines d'années. Sérieux? Waouh! Eh oui. Alors là, on a quoi? Encore un truc que je peux pas récupérer. Et donc on va... Hop. Si... oui. Faut que je me baisse. Ok, attention à la tête. Go, go, go. Joël, je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Tess. Go, go. Merde.
Alors, donc les claqueurs sont de retour. Donc là, on a été séparés de nos compagnons. Et alors, on fait gaffe parce que voilà, il y a des claqueurs. Alors, surtout, bah, vous faites gaffe, comme je vous l'ai dit, parce que, en fait, si vous faites choper, bah, vous mourrez direct. Hein. Normalement, tu devrais pas venir me voir. Normalement, elle t'était pas censée venir me voir, donc repars de là où tu étais, s'il te plaît. Je peux pas passer par là, de toute façon, alors. Voilà, dégage. Va-t'en. Donc, normalement, tu devrais te barrer. Bon, alors, normalement, enfin, s'il se barre pas, je vais devoir le tuer, mais bon, ça me saoule. Voilà, alors surtout vous n'allez pas dans la pièce qui est tout à droite, parce que c'est là où il y a les claqueurs, donc vous voyez on en a trois. Alors vous pouvez choisir de les tuer, mais bon, vu que moi je suis pas un kamikaze. Hop, on va dans cette petite salle. Normalement. Ils vont pas venir. Alors, normalement, il y a des trucs ici. Ou pas. Ah putain, je suis plein de partout, en fait. Donc c'est pour ça que je peux rien récupérer. Hop, de la vie, si vous en voulez. Alors là, il y a une porte à ouvrir au surin. Hop. Voilà. On déverrouille. Et on prend ce qu'il y a dedans, car il y a des choses très intéressantes. Hop. Ça, je prends. Alors ça, c'est la lampe torche qui fait des siennes. Voilà, c'est une petite interaction sympathique aussi. Alors, je peux confectionner des trucs. Bah, le surin, évidemment, je vais le refaire. Cocktail Molotov. Ça peut toujours servir. Tiens, est-ce que j'ai assez pour améliorer? Non, toujours pas. Hop. Alors là, le problème, c'est qu'il y a un claqueur qui est tout près de la porte de sortie. Et normalement, celui-là, vous êtes obligé de le tuer. Voilà. Donc je rappelle que pour tuer un claqueur, il faut qu'on gaspille... Enfin, ça va gaspiller un sur un. Est-ce que tu vas venir par là, toi? Hop, je vais en refaire un. Tiens, j'aurais pu... récupérer. Oh merde. Mince, mince, mince. Oh, putain, mais pourquoi les deux ils viennent? Oh là là. Ça va être le bordel, ça. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, il me laisse pas le choix. Je voulais juste récupérer ça, mais... Voilà, vous m'avez pas laissé le choix. Bon, j'ai gaspillé des trucs, mais vu que je vais en réavoir pas mal, quand même, tout à l'heure... Ok, bon bah là, vu qu'il n'y a plus d'infectés, bah vous pouvez vous balader pour récupérer ce qu'il y a à récupérer, s'il y a des choses. Hein. Hop. On va accélérer un petit peu, donc là, il n'y a rien. Normalement, il n'y a jamais... Normalement, il n'y a rien dans cette salle à part ça, mais bon. On s'en fout. Et on va... Hop. On avance. Donc là, on peut pas descendre, on va monter. On va voir qu'il va y avoir un infecté, donc on fait gaffe. Voilà, vous entendez quelqu'un qui tape, c'est un infecté. On va devoir le tuer.
Donc j'aimerais éteindre. Voilà. Oh putain! Putain, comme par hasard, le mec. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour aller reprendre le truc qu'il y avait tout à l'heure. Oulala! Oula, magnifique bug. On l'a vu. Magnifique bug que j'ai jamais eu d'ailleurs. En fait, tous les bugs que j'ai, bah, je les ai que en filmant, en fait. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Ok, j'ai récupéré ça parce qu'on va, affronter beaucoup d'infectés, vous allez voir. Ça va être un peu le bordel. Oh, dégueu. Au hasard. Voilà. Donc là, il y a plein d'infectés qui arrivent. Donc là, vous pouvez utiliser vos flingues, mais bon. Moi, j'utilise... Enfin, c'est pas ça que je voulais utiliser, mais... Tiens, tiens. Allez. Crève. Tiens. Voilà, alors avec les briques et les bouteilles, normalement... Enfin, surtout les briques. Parce que les bouteilles, non, pas trop. Ah bah si, les bouteilles aussi. Voilà, avec les briques et les bouteilles, ça nous sert aussi d'armes au corps à corps. Et ça les... Bah, ça les tue, normalement. Voilà. Donc bon, j'ai perdu un petit peu de vie, mais normalement, vous devez vous en sortir comme moi. Hop, je vais reprendre ma brique. Alors là, on a deux conversations optionnelles. Donc normalement, que vous ne pouvez pas rater. Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflée. Par ici, ça nous mènera au tour. Voilà, donc une conversation, et la deuxième. Et toi, petite, tout va bien? Qu'est-ce que t'entends par bien? Tu respires encore? Ça compte, les respirations paniquées? Ouais, ça compte. Ok, alors je vais bien. Bon, bah tout va bien. Voilà. Donc les deux conversations, c'est fait, on peut avancer. Je sais pas si... Je crois qu'il y a rien par là. Allez, avance, s'il te plaît. Allez, Ellie, faut avancer. Faut trouver un moyen de traverser. C'est bon, c'est ce bâtiment. Alors, donc là, bah, pour traverser, il faut une planche, hein, tout simplement. Vous en avez deux, d'ailleurs. Allez, allez, allez. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Derrière. Allez. Alors, donc là on n'a pas changé d'épisode hein, comme on pourrait le croire, enfin de chapitre plutôt, on est toujours dans le même. Alors il y a un artefact à récupérer, je regarde si je loupe pas de trucs, un artefact à récupérer qui se trouve juste derrière l'escalier.
juste là. En plus, on a des balles. Regarde ça. Il a le symbole de Luciole sur le bras. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts? Ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Voilà, donc je vous laisse lire, hein. Vous faites en pause comme d'habitude. Donc là, il faut qu'on prenne encore la benne à ordure pour passer. Allez, sautez. Hop, on va passer. On y est presque. Ah, donc le Capitole est juste là. On y est presque, Tess. Est-ce que il y a des trucs je pense pas. Parce que des fois, il y a quelques petits matériaux qui traînent à récupérer, mais là, je ne pense pas. Ah, la musique de fond, magnifique. Magnifique, magnifique. Même le décor, hein. Tout ça, c'est magnifique. Hein. Juste pour info, je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Voilà. Alors, il y a un pendentif des Lucioles aussi qui est pas loin et qui est assez bien caché en plus, hein, parce que je l'ai pas vu, hein, au début, quand j'ai fait le jeu pour la première fois. Voilà, donc au lieu d'aller à droite, on va là-bas. Hop, on monte là-dessus et le pendentif des Lucioles, en fait, il est juste là, normalement. Voilà. Donc je vais vous le montrer, comme d'habitude. Hop, voilà. On va continuer. Et normalement, il nous reste que deux trucs à récupérer dans ce chapitre, si je dis pas de bêtises. Alors là, il y aura une petite cinématique que je vais vous laisser, et puis bah, je vous retrouve juste après. Oh. Non. Non, non. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance! C'est terminé, Tess! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas... Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où aller. Non, 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 non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Oh
vous êtes là ? Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air ! Alors là, va falloir fuir parce qu'en fait, ils vont bientôt arriver. J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. On va se faire tuer là-bas. Hop. Tais-toi. Donc déjà, vous récupérez ce que je viens de récupérer ici. Oh non. Et ensuite, vous courez parce que les gardes vont bientôt arriver. Voilà, vous entendez des coups de feu. Continue d'avancer. Elle a descendu deux de mes hommes. Merci. Tess. Vous, ouvrez la porte. Vous, avec moi. Bien fait. Voilà, donc Tess est morte. Et donc, bah nous, on continue. Oh putain, il y a des trucs là-bas. Voilà, je prends. Hop, faut se dépêcher parce que les gardes vont bientôt arriver. Hein. Voilà, des médocs. Alors là, il faut... Voilà, il faut qu'on saute. Hop. Je vais confectionner mon petit cocktail. Et là, on va avoir une nouvelle arme, qui est la carabine. Voilà, qui est en gros un sniper mais sans lunettes, où on pourra mettre une lunette mais plus tard. Fusil de chasse, voilà. Tiens, je peux augmenter la stabilité de l'arme maintenant, vu que j'ai assez de médocs. Et donc là, on avance toujours. Je m'en occupe. Et là, faut faire gaffe, voilà, parce que vous avez des gens, hein. Qui sont en face. Alors vous avez le choix, soit comme d'habitude, soit vous voulez passer tranquillement sans vous faire repérer, soit vous foncez dans le tas, vous tirez partout et vous avez des chances de crever. Voilà. Alors par contre, heureusement que j'ai le mode écoute, comme ça sera plus simple pour moi. Alors toi, je sais pas ce que tu fais. Ah putain, en plus ils m'ont vu. Je vais me faire tirer dessus. Voilà. Voilà. Reste pas planté là. Ah putain. Ah le bat. Restons à couvert. En plus je me suis fait défoncer. Ah putain, non, c'est pas le moment. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Tiens, voilà. Faudrait que je me soigne, sinon je vais crever. Voilà. Alors, il reste encore combien d'ennemis ? Il n'y en a qu'un seul. Bah, en fait, j'ai pas trop envie de gaspiller mes armes, mais enfin mes balles plutôt. Voilà. T'es mort. Est-ce que vous avez lâché des trucs pour moi ? Non, du tout. Alors... Allez, viens. Ouais, donc j'aurais pu passer discrètement, même si, voilà, apparemment, il voulait pas. T'éloigne pas, allez. Alors, je sais qu'il y a de la vie pas loin. Hop, ah non, il y a des médocs. Donc là on va passer, alors là on fait gaffe parce qu'il y a encore des gens. Ah non, c'est pas tout de suite. Mais il va y avoir encore des soldats. Toutoulou. Tiens, ça va m'être utile. Merci. Hop. Putain, il y a des trucs ici, mais c'est... Voilà, alors il y a des gens en face, hein, vous les avez vus. Putain, je savais pas que j'avais autant de... Que je pouvais avoir autant de trucs, en fait.
Alors, je suppose que t'as un mec qui va venir là. Donc là, ils sont moins 6 ou 7, hein, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, ouais, il y en a un autre en face. Ah merde. Putain, j'ai encore fait de la merde. Oula. Ah oui, t'as l'autre qui est derrière nous maintenant. Et... Ellie, tu fais de la merde, Ellie. Hop, je vais crever. Je vais crever. Là, je gaspille toutes mes trousses de soins. Je joue très très mal, là. Normalement, c'est pas comme ça. Alors, toi, tu devrais être mort avec une balle dans la tête. Je sais pas ce que... Tu... Tu vas crever, oui. Alors, donc là, il y en a un autre. Ce qui est le plus chiant, c'est les mecs avec leur casque, parce que, voilà, vous pouvez pas les tuer en un coup, ceux-là. Est-ce qu'on a encore du monde? Bon, apparemment, non. Hop. Est-ce que vous m'avez lâché des trucs, au moins? Non, pas du tout. Ok, alors lui, à mon avis, il a... Je sais pas pourquoi, il a rien fait. Ah. Il nous reste 3 gars là-bas. Je crois que là, on a de la vie. Voilà, il y a de la vie ici. Alors, donc là, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 2 mecs. Normalement, il y en a un troisième qui est dans la salle de... à droite. Mais je sais pas si... Non, il est pas là. Oula. Alors j'aimerais bien avoir les deux, seulement les deux, en fait, ils sont très coordonnés. Ça se fait... En fait, ça fait que... Quoi? Tu oses tu... Merde, je me fais destroy. Toi, tu vas. Et voilà comment jouer comme une merde par Bestie. Ouais, donc généralement, ce passage, faites-le moins rapidement que moi. Enfin, allez moins vite, plutôt. Et essayez de pas vous faire repérer. Normalement, vous pouvez faire tout le niveau sans vous faire repérer. Mais bon, moi, vu que j'ai joué comme une merde, voilà, ça n'a pas été trop le cas. Alors, ensuite, où est-ce qu'on doit aller? On doit aller ici. Voilà, donc là, il faut courir. Il faut courir et passer, voilà. Ici, il y a des trucs, on ramasse. Ah, des spores. On met notre masque. Baisse-toi. Aucune cible, je répète, aucune cible. Il y a un soldat là-bas. 5 sur 5. Restez en position et attendez les renforts. 5 sur 5. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je vais voir de ce côté. Va voir ce côté. Alors, donc là, on a que 2 gardes, donc voilà. Montre-toi, le vagabond. Ah, normalement, celui-là, je peux le choper et me le faire sans que l'autre me remarque. Voilà, et toi? Merde. Ils sont pas là. Toi aussi, tu vas mourir, voilà.
Bon là j'ai pas fait de la merde, en même temps il y avait que deux ennemis, donc voilà c'était assez simple. Surtout n'allumez pas votre lampe de... Enfin votre lampe torche parce que sinon ils vont vous repérer direct. Hein. Alors, donc là vous pouvez vous balader pour voir s'il y a des trucs à choper. Normalement je crois qu'il y a rien. Non, il y a rien. Je crois que je peux confectionner encore un kit de soins. Donc là, normalement, on peut pas passer. Voilà. Donc en fait, faut qu'on aille dans le métro. Hop. Donc là, normalement, il n'y a plus d'ennemis. Hein. Alors là, il y a de l'eau. Voilà. Alors, il y aura des phases comme ça où, où on sera dans de l'eau et que Ellie ne pourra pas, enfin, ne sait pas nager. Donc on va devoir trouver une solution pour l'amener avec nous. Voilà. Alors normalement je peux plonger sous l'eau, mais là vu que c'est peu profond, bah Joël ne veut pas. Ah bah si. Voilà. Donc vous appuyez sur L2 pour aller plus vite, rond pour remonter. Je vous conseille de remonter parce que, voilà, la petite jauge en bleu là qui est à côté de ma vie, quand je vais plonger, vous allez la voir. Là. Ben c'est la jauge d'oxygène évidemment. Donc bah si elle tombe à zéro, bah vous perdrez votre vie progressivement. Et vous allez crever. Alors je crois qu'il n'y a rien à récupérer dans les bus. Il y a des choses à récupérer sous l'eau. Hein. Allez. Voilà. Alors, donc là ce qu'on doit faire c'est qu'on doit la traverser. Avec l'échelle par exemple. Enfin avec l'échelle je veux dire c'est là où on doit aller. Alors ce que je vais faire c'est que je vais replonger sous l'eau parce que normalement il y a des choses. Normalement il y a des choses à récupérer. Ou pas. Voilà, donc là non. Donc bah apparemment il n'y a rien à récupérer. Normalement, il me semblait qu'il y avait quelque chose sous l'eau, là. J'ai peut-être halluciné, ou je sais pas. Bon, tant pis. Hop, on remonte. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un artefact ici. Donc, il faut prendre. Hop. Alors. Voilà, donc je vous laisse lire. Vous faites pause, vous voulez lire. Donc là, vous allez en face. Mais non, je reviens. Voilà, car il y a plein de choses à récupérer par là. Alors déjà, vous allez remonter à la surface ici, car on a des médocs ici. On va replonger. Et normalement, là, vous allez voir qu'il y a des choses. Donc là déjà, il y a des matériaux ici. Et là, il y a un pendentif des lucioles que je viens de récupérer. Et là, j'aimerais bien sortir. Voilà. Donc le pendentif, bah, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors vous pouvez monter ici, mais là, il n'y a rien. Un petit symbole des lucioles ici. Voilà. Donc c'était tout pour... normalement, on a tout récupéré dans ce chapitre. Avec le dernier objet qui était le pendentif des lucioles. Hop. C'est un cul-de-sac. Et ouais. Alors, je vais vous le montrer, même si c'est toujours la même chose. Voilà. Alors. Donc, pour faire traverser Ellie, parce qu'on doit aller de l'autre côté, il va falloir qu'on trouve une planche. Qui se trouve ici. Voilà. Et en fait, principalement, à chaque fois qu'on aura justement de l'eau et qu'on va devoir traverser, il va falloir qu'on trouve une planche comme ça. Pour que Ellie monte dessus et qu'on la fasse traverser. Saute. C'est
Allez. Donc c'est un peu dommage qu'on voit, on voit pratiquement rien. Voilà, donc là normalement elle va nous faire tomber l'échelle et on va pouvoir monter. Et je crois que la fin du chapitre bah, va être juste après. Ah, prends ton temps. Voilà. C'est bon. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs à choper ici? Non. Tirons-nous d'ici. Donc là, il n'y a rien. Voilà, donc là c'est la sortie. Alors dès que je vais sortir, il y aura une cinématique. Et puis bah, je vous retrouve juste après pour terminer cette vidéo. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Et voilà. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Voilà, donc là on vient d'arriver dans un nouvel... enfin, on va arriver plutôt dans un nouvel endroit. Seulement, bah, c'est dans le chapitre 4 que je ferai dans une prochaine vidéo. Alors, je sais pas si je ferai comme le 3 ou je le découperai en deux parce qu'il sera un petit peu long. Mais voilà. Donc, en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao, ciao.